Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Word où nous allons réaliser un exercice pratique pour un niveau opérationnel de Word. La plupart des utilisateurs de Word peuvent créer des documents. Ici un formulaire qui sera saisi à la main une fois imprimé. Dans cet exercice nous allons réviser la mise en forme, les symboles, les tableaux, les tabulations. Et puis, ce sera déjà pas mal. Les notes de bas de page également. Je vous présente rapidement le document que nous allons créer ici. Consultation de suivi diététique avec des zones pour prendre des notes. Bien sûr que tous ces petits points seront faits avec des tabulations. Identité du patient, des informations à remplir, la consultation, des cases à cocher. Un petit tableau. Ensuite, ici, un autre type de tableau, une alternance de couleurs pour les lignes afin de faciliter la lecture et toujours des cases à cocher. Pour finir, un dernier type de tableau de mise en forme de, de tableau avec cette fois-ci des cellules qui ont toutes des couleurs, une couleur de fond gris, gris clair, et des bordures blanches épaisses. Euh, sauf pour la première ligne et pour la dernière colonne où il n'y a pas de couleur de fond. Voilà, c'est plusieurs techniques, plusieurs méthodes euh, pour mettre en évidence des tableaux, des informations à remplir rien de très 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 technique si ce n'est quand même quelques tabulations alors vous pouvez bien sûr télécharger le fichier qui nous servira de départ dans un lien sous la vidéo et vous aurez également la correction qui sera en téléchargement allez vous devriez avoir donc ce document là de télécharger et on va de suite commencer euh, je vous ai fourni ceci déjà pour éviter de taper texte même si on va taper un petit peu de texte allez consultation suivie diététique on va s'occuper de la mise en forme de ce titre alors on n'oublie pas les bonnes les bonnes méthodes hein. on ne fait pas de sélection inutile ou en tout cas on va éviter d'en faire je veux travailler sur tout le titre je clique dans la marge de gauche ça c'est bon hop on va le mettre en majuscule on va le grossir un petit peu et on va lui mettre une bordure inférieure et une bordure supérieure. Parfait. Et puis on va changer également la police parce que dans le résultat, ici on est en comics en MS. Donc on va prendre tout le document, contrôle A, et on va choisir la police comique. Une police qu'on peut éventuellement utiliser en bureautique, mais par contre pour tout ce qui est comme beaucoup plus sérieuse, comme externe, par exemple, il est de question d'utiliser cette police pour des documents qui sortent de l'entreprise. Elle est très elle est trop mal fichue. Allez, ici, consultation numéro. Il nous faut des petits points afin de pouvoir écrire le numéro de la consultation après au crayon. Pour faire des petits points, ce sont des tabulations. Il existe plusieurs méthodes pour faire les tabulations. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord de la faire dans la, dans la règle et ensuite de la faire dans le texte. Allez, je vais faire des petits points, aller jusqu'à 6, 6 cm, ça suffira. Je double clique droit. Hop. Le double-clic droit on n'en fait, en fait pas beaucoup beaucoup. Hein. Double-clic droit euh, et on est sûr et certain que c'est la fenêtre tabulation qui s'affichera. Et pas autre chose. La tabulation ici que j'ai fait à 6 cm, je clique dessus et moi je veux qu'elle soit avec des petits points. Je fais OK. La tabulation n'est que pour la ligne où j'étais. Il ne me reste plus que au clavier à appuyer sur la touche tabulation ici. Toc. Parfait, si j'affiche les caractères invisibles, par curiosité la tabulation est représentée par une petite flèche qui part à droite. Voilà. Hop. Suivi euh, par, suivi par, il y avait jusqu'à la fin. Donc je me mets ici, quelque part dans suivi par. Je me mets à peu près ici. Je double-clic droit. Hop. Petit point. Je fais OK. Et je fais tab. Alors, si je veux que ça, que ça aille exactement jusqu'à la limite ici, eh bien, je n'ai plus qu'à déplacer ça ici. Voilà, c'est à peu près aligné. Ok. Ensuite, euh, je saute une ligne parce que je crois qu'il y a ici, voilà, des petits losanges, losanges qui servent de séparateur, d'aérateur. Eh bien, écoutez, insertion symbole, symbole autres symboles. Ils sont là mais bon vous vous ne les avez peut-être pas euh, d'accessibles directement. Dans autre symbole, euh, on va choisir la police Wingdings, la police qui est livrée par des fois avec Windows et qui contient quelques pictogrammes. Voilà, allez, je prends celui-là, je double-clic deux trois fois. Je ferme et voici mes trois mes trois petits losanges que je centre ensuite identité du patient je crois que c'était en gras avec une bordure inférieure je vérifie ouais gras bordure inférieure et vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres gras bordure inférieure hein. il y a la consultation objectif habitudes alimentaires et les évolutions donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai terminé celui-ci, eh bien, je vais prendre la marge et je vais utiliser le pinceau pour dupliquer cette apparence. Alors, pour le pinceau, on double clique dessus afin de l'utiliser plusieurs fois, et je reste toujours dans la marge. Donc, la consultation, les objectifs, hop. Et puis après, il y avait les habitudes alimentaires et les évolutions. Parfait. Une fois que j'ai terminé, je repose le pinceau, je reclique dessus. Ok. Alors ici, la bordure a disparu car la bordure en dessous de identité du patient a disparu. Car j'ai deux paragraphes qui se suivent avec la même mise en forme. Donc c'est pas grave. Hein. Voilà, je fais une ligne de vide et je vais faire un petit coup de gomme pour supprimer toute la mise en forme de la ligne où j'étais. Ça, c'est bon. Euh, identité du patient. Alors, ici, il va falloir que je fasse ceci. Alors, pour faire ça, plusieurs solutions techniques. On peut s'en débrouiller uniquement qu'avec des tabulations. Nous, on ne va pas le faire parce que ça ne va pas nous faire gagner beaucoup de temps. Moi, ce que je préfère, c'est aller quand même un petit peu vite euh, pour ceci. Donc, euh, on va faire en tableau. Hein. Moi, je conseille ici de faire un tableau. Le tableau aura deux colonnes. Euh, alors, après les lignes, on peut en mettre une ou on peut en mettre trois, peu importe. Hein. Allez, je suis ici. Insertion tableau. Allez, on va faire ceci. Toc, deux colonnes, trois lignes. Je vais mettre mon texte. Il y avait le nom. Alors, pour passer d'une cellule à l'autre du tableau, moi, je vous conseille la touche tabulation. Voilà. Prénom, tab. Date de naissance. Tab. Âge. Tel. Médecin traitant. Ok. Ces bordures, il ne faudra plus qu'elles soient visibles à la fin. Donc je sélectionne mon tableau et dans Accueil, je vais chercher aucune bordure. Actuellement, elles sont toujours visibles avec des petits pointillés car la commande afficher le quadrillage est activée chez moi. Et je vous invite à laisser cette commande activée. Si ce n'est pas le cas, activez-la. Ça nous permet de savoir exactement où se situe le tableau, euh, la fin des colonnes, etc. Ça permet de travailler quand même plus rapidement parce que si on ne, ne l'a pas, ce quadrillage, et eh bien parfois pour faire des modifications, on est un petit peu gêné, on tâtonne avec la souris. Voilà, bien sûr, ces pointillés n'apparaîtront ni en PDF, ni à l'impression. Alors, il me faut maintenant des petits pointillés sur ces deux colonnes, à peu près jusqu'à 7 pour la première colonne. Alors là, j'ai pris mes trois lignes, mes trois cellules. Je peux éventuellement, voilà, sélectionner comme ceci. Je me mets ici, double clic droit, clic clic. Ouais, j'étais à peu près à 7, hein, peu importe. Et je fais OK. Je me mets juste après le nom qui est ici. Et là je dois faire ma tabulation simplement comme je suis dans un tableau si je fais tab, ça m'amène à la cellule suivante. Donc pour faire des tabulations dans un tableau, CTRL, enfoncer et tab. CTRL tab, CTRL tab. Ici pareil, hop, je prends les trois cellules, double-clic droit, hop, petit point. Alors ici il me dit que, je, que ma tabulation est à 7,2. Or sur la règle, je lis 15. 2. En fait, c'est 7,2 depuis le début de la colonne. Voilà. Et comme ma colonne est à 8, on retombe sur nos pattes. Allez, je fais OK. Et ici, CTRL tab Un petit espace, CTRL tab Un petit espace, CTRL tab euh, Qu'est-ce qu'on fait On met les petits points jusque-là. On essaye. Allez, on prend tout ça. Et on pousse. Je vous garantis pas. Ouais, non, il faudrait. Il y a toujours une, une petite marge interne euh, dans les cellules de notre tableau. Euh, il faudrait éventuellement élargir le tableau. Moi, je le laisse comme ça. Ça sera très présentable. On peut éventuellement aérer un petit peu le tableau vers le bas en tirant ici très légèrement. Voilà. Alors, identité du patient, c'est terminé. Je vais remettre une ligne de losange. Je prends dans la marge. CTRL-C. CTRL-V. C, voilà. Alors ensuite, ça c'est bon. Identité du patient, c'est fait. La consultation. Alors. Euh, là, il y a des petits points jusqu'à la fin des deux premières lignes. Donc, je prends les deux premières lignes. Je clique. Hop. Des petits points, ok. Ah ben bravo Philippe, j'avais mal travaillé. J'avais mal préparé le document de départ. J'avais dû laisser une tabulation qui s'est directement mise. Je fais tab. Je peux prendre les deux et décaler ça. Flûte, excusez-moi. Voilà. Ensuite, je crois qu'il y avait des petites cases à cocher. Mère, père, autre. Alors, je me mets ici devant Mère. Insertion, symbole, symbole. Alors, insertion, symbole, on le fait quand même assez souvent. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est cette commande symbole, la rajouter ici, en haut, dans la barre d'outils accès rapide. Clique droit sur la commande, ajouter à la barre d'outils accès rapide. Hop, elle est ici. Donc maintenant je peux tout à fait rester sur accueil et taper dans insertion symbole. Je vais faire autre symbole et je vais chercher ma petite case à cocher. Allez, je vais prendre celle-ci qui a un, un ombrage en bas à droite. Sinon vous avez celle-ci sans ombrage. Allez, clic-clic, je ferme, copier, coller et coller. Et puis, je crois qu'il y a aussi ici coller, coller, coller. Coller, coller. Et coller. Voilà. Euh, et pour la suite. Alors, je reprends la correction. J'ai un peu oublié comment c'était. Alors, le poids ici. On a des petits points. À peu près pareil que pour EMC simplement après au niveau de la taille ici il y a beaucoup plus de petits points donc je vais prendre les trois toc 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 je vais faire des petits points jusqu'à 3 cm clic clic hop petit point ok alors sur EMC j'avais encore oublié d'effacer une tabulation je les effacerai dans le document que je vous donnerai Là par contre, uniquement pour la ligne taille, je vais tirer ma table un peu plus loin pour, ben, pour mettre plus facilement, euh, je ne sais pas moi, 1 mètre 60, 1 mètre 50. Voilà. De, histoire de ne pas être euh, euh, bloqué, gêné par euh, l'espace d'écriture. Ça c'est bon. Ensuite des losanges hop copier hop les petits losanges ici et nous avons je crois après euh, sur une seule ligne échelle de perception jusqu'à 10 et là un tableau un tableau qui fera trois colonnes et deux lignes donc, échelle de perception, tout ça, ça doit tenir sur une seule ligne. On va donc diminuer la taille d'écriture. Voilà, très bien. Et on va se faire insertion, tableau, deux colonnes, trois lignes. Non, deux lignes, trois colonnes, pardon. Ici, il y avait objectif. Je crois que le tableau était assez haut. Voilà, ça va repousser tout sur la page suivante. Je vais m'arrêter là quand même. Hein. Je vais pas trop forcer. Euh, et je crois que, alors ça, on va le remonter. Voilà. Hop. Ok. On va peut-être prendre tout ça. On va le centrer le mettre en gras. On va le grossir un petit peu. Et je crois que si je reprends le modèle, oui, objectif est assez large et les deux colonnes suivantes sont beaucoup plus petites. Allez, donc ça ça va aller ici, ça ça va aller là. OK. Alors, on aimerait être sûr et certain que les deux colonnes ici aient la même largeur, même si dans le modèle, c'est pas le cas. On sélectionne les deux colonnes, clic droit, uniformiser la largeur des colonnes. Parfait. On aimerait que l'objectif soit centré de haut en bas. On prend tout, toutes les cellules des titres et dans Outils de tableau mise en page, on va tout centrer au milieu, au bas gauche droite. Et ben c'est pas mal ça. Voilà. Alors ici, les habitudes alimentaires. On va faire un saut de page. Voilà, pour être sûr et certain que ça ne bougera plus. Pour faire un saut de page, au clavier, contrôle-entrée. Ou alors, insertion, saut de page, mise en page, saut de page. Il y a plein d'astuces. Contrôle-entrée, c'est parfait. Donc la première page est terminée. Donc ça c'est bon. Euh, ensuite, au point de vue de la deuxième, les habitudes alimentaires. Là, il y a un tableau un peu plus conséquent à faire, par contre. Il y a les numéros de page qu'on mettra tout à l'heure. Alors, ici, voici un exemple de tableau euh, pour faciliter la saisie, l'écriture et la lecture. Une ligne sur deux est en couleur. Alors, euh, Word propose déjà des mises en forme de tableaux avec des alternances de couleurs, un peu comme dans Excel. Nous, on va le faire à la, à la mano. Et il y a des cases à coucher dans chacune des cellules. Il y a une ligne, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit lignes. Et une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept colonnes. Huit lignes, sept colonnes. Allez, on est ici. Insertion tableau. Huit lignes. 7 colonnes, on est ici. Si des fois vous devez mettre 9, 10 lignes, il n'y en a pas assez là, ben on fait insérer un tableau et là vous mettez ce que vous voulez. Ou alors vous les rajoutez plus tard. 8 lignes, 7 colonnes. Toc! Ok, alors on va mettre les titres. Je crois le premier c'est absent. Lieu. Ok. Alors, là, il y a du boulot. Allez, déjà, on va tout centrer de haut, haut en bas et de gauche à droite. Je prends tout le tableau. Mise en page. Je centre. Ensuite, euh, il faut que toutes les lignes aient la même hauteur. Or, ici, j'ai beaucoup de texte. Donc, il faut que j'élargisse la première colonne. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir prendre toutes les lignes. Clic droit, uniformiser. Je ne l'ai pas uniformisé. Bon, on va tirer vers le bas. Alors... On va faire les colonnes. Je prends toutes ces colonnes, clic droit, uniformiser la largeur des colonnes. Hop. Ça me permet d'avoir des colonnes exactement du même, euh, de la même largeur. Euh, je me demande si je ne vais pas tout mettre en taille 10. Hein si je mets tout en taille 10, ça sera beaucoup mieux. Là, erreur composition me pose un problème. Euh... Donc je vais élargir en quand même un petit peu ici. Voilà. Je reprends tout ça, clic droit, uniformiser largeur. Ce n'est pas suffisant. C'est fou ça. Voilà, hein, je l'ai un petit peu largé à droite. Au moins, ça, ça passe. Par contre, il faut vraiment qu'on ait la même la hauteur de ligne. Et pourquoi je n'avais pas... Bon, on va prendre tout ça. Hein. Clic droit, uniformiser la hauteur des lignes. Parfait. Et comme ça, chaque ligne a la même hauteur. Ça, c'est bon. Il me faut euh, la petite case à cocher qu'on avait choisie ici. Clic droit. Je prends tout ça, coller, et dans la foulée, on va se mettre comme ceci copier, coller. Parfait. Sur la colonne lieu, il ne faut rien du tout. Hein. Il ne faut pas de case à cocher. Ça sera écrit manuellement. Euh, les bordures, on n'en veut pas. Je prends tout le tableau en cliquant en haut à gauche. Aucune bordure. Et pour terminer, alternance de couleurs. Je prends ça, peau de peinture. Allez un gris. Hop, je prends tout ça. J'appuie sur la touche F4 pour réappliquer la dernière commande. Ça fait gagner un peu de temps. Et ben voilà, mon tableau il est pas mal. On va enlever le quadrillage. On se rend compte du résultat. Et il faudrait peut-être augmenter un petit peu ces lignes-là. Donc on va tirer très légèrement vers le bas. Voilà. Après-midi, si je fais entrer, voilà, ça sera sur une nouvelle ligne. Ce sera mieux encore, plus présentable. Premier gros tableau terminé. N'hésitez pas à sauvegarder un petit coup de CTRL S, on ne sait jamais. Et il me reste ici la place pour faire mon dernier tableau. Euh, ah, il y a les losanges. Allez, contrôle C. Contrôle V. On va laisser une petite ligne ici, track. Allez. Ici, il me faut donc un autre tableau avec une colonne, 2 3 4 5 6 colonnes. Les lignes, une ligne, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 lignes, 6 colonnes. Mais ici, insertion tableau, je n'ai pas 9 lignes, j'en ai que 8, c'est pas grave. Je vais prendre 8, hop, et je vais en rajouter une simplement en me mettant à la fin et en faisant tabulation. Voilà, ça me rajoute la dernière ligne. Alors, ici, première cellule, euh, rien du tout. En dessous, on avait du petit déjeuner. du grignotage waouh je crois que je me suis planté petit déjeuner grignotage sucrerie bonbon produit gras sucré, salé, excès de quantité, fruits et légumes, ok. Pour gagner du temps ne mettez pas les majuscules hein, il va les mettre tout seul euh, c'est toujours ça de prix ici sur cette colonne il me fallait deux personnes qui sourient deux smiley puis un seul puis neutre puis pas content alors symbole et eh bien je vais utiliser le petit bouton que j'ai rajouté dans ma barre d'outils accès rapide là-haut hop autre symbole. Je suis toujours sur du Wingdings Où je vais trouver mes petits bonhommes. Toc, toc. Pardon, il, est, il était là. J'ai double cliqué. J'ai mes deux petits bonhommes. J'en prends un seul. Je fais copier. Je vais là. Je fais coller. Ici, il me faut un autre petit bonhomme neutre. Le petit bonhomme neutre qui est ici. Clic, clic. Parfait. Et pour terminer... Le pas content, voilà. Non, le pas content n'a pas fonctionné. Je ne suis pas content. Il y est, il y est pas, il y est. Ok. Et ici, à poursuivre. Alors, on va directement travailler la largeur des colonnes. Ça, on va. Hop, réduire tout ça ok à poursuivre sur une seule ligne ça serait pas mal il me reste euh, tout ça clic droit uniformiser la largeur quick ça c'est bon je vais prendre tout ça et je vais le centrer au bas gauche droite je peux éventuellement tirer vers le bas pour aérer mon document et ça, on va le centrer de haut en bas en gardant l'alignement gauche. Parfait. Donc là, on est pas mal. Sur à poursuivre, je crois qu'il y a des cases à cocher. Donc euh, ben, je vais reprendre les cases qui sont là. Hein. CTRL-C, CTRL-V. Et puis j'en reprends une petite. CTRL-C, CTRL-V. Allez, ça, ça va venir ici. Et On va augmenter un peu la taille des... Bon, voilà. La bordure on n'en veut pas. On prend tout le tableau, aucune bordure. Je vais quand même remettre le quadrillage pour que ça pour m'aider. Et puis il me faut des couleurs de fond sur les cellules qui sont là. Hop, je reprends la couleur de fond que j'avais choisie juste au-dessus. Et pour terminer, il me faut de grosses bordures blanches épaisses. Je prends tout le tableau. Et là, je dois aller dans bordure et trame. Pour faire euh, mes bordures. Alors, bordure pleine. Couleur blanche. Largeur 6 points. Épaisse. Et il me les faut ici. Voilà. Vous voyez que là, le bouton qui est juste à côté ici est en bleu. Ça veut dire que les bordures euh, intérieures horizontales sont activées. Pareil ici, hein. le bouton du milieu est bleu donc activé. Les bordures verticales internes sont activées. Je fais OK. Et voilà. Je pense que je peux grossir ça quand même. Là, je suis en quelle taille 11. Et là aussi. Eh ben, C'est petit quand même là. Hein. Donc on va booster un peu ça. Voilà, c'est mieux quand même. Eh ben il est pas mal notre petit tableau. Je pense que c'était bon. Je reprends le modèle. Euh, synthèse était beaucoup plus gros et il y avait le pied de page à faire. Donc synthèse. Toute la ligne, on se met en gras en plus gros. Voilà. Les numéros de page en bas. Insertion numéro de page bas de page et puis bah, vous prenez ce que voilà ce que vous trouvez sympathique allez moi je vais prendre je vais prendre ceci tiens non je prends tout à fait en bas euh, non je vais prendre ça allez c'est pas exactement le même que j'avais mis mais peu importe ça m'amène directement dans le pied de page. Je double-clique dans le document pour revenir, pour sortir du pied de page. Et voilà, un petit zoom avant, un petit zoom arrière plutôt pour se rendre compte si mon document est bien équilibré. Ben écoutez, moi je ne vois rien de très gênant, de très choquant. Il m'a l'air utilisable. Ce type de document qui sera rempli euh, à la main. Il est indispensable, une fois qu'on pense l'avoir terminé, de l'imprimer, de prendre un crayon et de simuler la saisie. Par exemple, on pourra constater que ici, les lignes sont trop proches les unes des autres. Donc, on peut éventuellement tirer vers le bas. Le saut de page a disparu. Donc, ici, je vais dans mise en page réduire l'espacement après voilà je vais gagner un petit peu de place par ci par là là ça m'a permis de tirer un peu ça vers le bas ce qui est pas plus mal euh, peut-être que ici aussi je peux gagner encore un peu de place j'enlève les espacements je suis toujours sur deux pages voilà ça c'est bon voilà il y a souvent des petits réajustements comme ça à faire euh, Qu'est-ce qui pourrait être gênant Peut-être ça Peut-être que là, j'ai pas assez d'espace. À voir. Il faut imprimer, il faut remplir au crayon pour mieux se rendre compte. Voilà, bah écoutez, on a fait une petite demi-heure de tableau, de tabulation de symboles. J'espère que vous avez pu réviser ces outils opérationnels de Word. Rien de très méchant, rien de très technique. Juste se souvenir que pour les tabulations... Une méthode assez rapide, on fait un double clic droit et on choisit directement après sa tabulation et les petits points. Ça, ça, ça permet de travailler vite. Et dans un tableau, eh bien, il faut faire CTRL-TAB pour insérer une tabulation. Voilà, bravo si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Euh, si cet exercice vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez réussi à cliquer sur le petit pouce bleu, vous abonner éventuellement à la chaîne, laissez un petit tips si vous le souhaitez participer aux prochaines vidéos de la chaîne. Et puis n'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur, une vraie formatrice qui vous observera, répondra à vos questions, vous motivera et vous corrigera. À très bientôt. Merci.